L'aéroglisseur, c'est le prolongement de l'automobile et c'est le début d'un bateau. C'est l'appareil intermédiaire qui, lorsque la voiture ne peut pas passer, continue sa route pour aller jusqu'au bateau, c'est-à-dire en eau profonde, là où le bateau peut se déplacer. C'est un appareil qui fait partie de la catégorie des monomoteurs. Il y a un seul moteur, une seule hélice, et à partir de cette hélice, on alimente pour une partie le coussin d'air par-dessous l'appareil, c'est-à-dire une partie du flux de l'hélice est déviée pour alimenter le coussin, et la partie supérieure de l'hélice sert à la propulsion. Ce qui fait qu'on a un appareil qui est très sobre, très fiable, qui a quelques inconvénients, c'est vrai, c'est-à-dire que dans certains cas de vitesse moteur, il peut avoir des déficiences au niveau coussin, mais dans le cas général, c'est-à-dire d'une utilisation sur grand parcours, c'est un appareil qui ressemble exactement à un bimoteur. La différence essentielle dans un autre appareil, c'est d'avoir deux moteurs avec une fonction différente. Une pour la sustentation et une pour la propulsion. Véhicule amphibie à coussin d'air, l'aéroglisseur est le seul appareil dans le monde à évoluer indifféremment sur la terre et l'eau. Né d'une invention anglo-française, le premier prototype voit le jour en 1959. En 1965, l'aéroglisseur trouve en France sa première vocation, le sport, avec la création d'une fédération. Aujourd'hui, les appareils ont énormément évolué techniquement. Mais l'esprit aventurier, lui, est resté le même. Il y a beaucoup de compétiteurs qui construisent leur matériel et je trouve ça admirable d'ailleurs, parce que ça représente quand même quelques centaines d'heures de travail. Vu de l'extérieur, ça a l'air de bidouillage. Mais si vous voulez, vu de l'intérieur, il y a des règles très précises et surtout un contexte de construction d'aéroglisseurs qui ne souffre d'aucune erreur. En 1981, nouvelle étape avec la création d'un championnat d'Europe et en 1984, la mise en place d'un championnat de France qui regroupe quatre catégories d'appareils, la Formule 1, 2, 3 et la Formule Single. La fédération trouve enfin la récompense de tant d'efforts et de persévérance. Pourtant, aujourd'hui, son identité semble remise en question. Nous ne tenons pas à être considérés comme purement nautique ou comme purement terrestre. Mais il est évident que l'inertie administrative et aussi des simplifications demandent aux instances à ce que nous soyons incorporés soit dans une fédération automobile, soit dans une fédération nautique. Pour notre part, étant donné que nous ne touchons ni le sol ni l'eau, nous aimerions plutôt, s'il fallait être incorporé à un dispositif nous préférions être, au fond, incorporés à l'aviation. Avec 18 clubs et près de 350 membres, la Fédération française a réussi son premier pari, celui de faire de l'aéroglisseur un sport structuré et ambitieux. Mais au-delà du sport, l'aéroglisseur a véritablement des vocations multiples. Nous avons commencé à construire et à développer des appareils de sport, ce qui a constitué pour nous une excellente plateforme d'études en prévision des appareils de tourisme, car enfin, l'aéroglisseur, partant du sport, a comme principal but de créer un véhicule utilitaire de tourisme, utilitaire et de travail. Un nouveau départ pour l'aéroglisseur, peut-être. Aujourd'hui, les conceptions sont fiables et tout laisse à penser que le système a atteint sa pleine maturité. Certains gros appareils assurent des trajets réguliers sur la Manche entre la France et la Grande-Bretagne. D'autres sont en service dans les armées comme moyen de liaison, de surveillance ou de transport. Beaucoup
ont démontré leur efficacité lors de missions humanitaires. Alors, question, pourquoi ces appareils sont encore trop confidentiels ? Ben parce que justement, c'est un matériel qui n'est pas encore très connu et qui demande à l'être. Et à partir du moment où il le sera, je pense que la protection civile et d'autres organismes pourront l'utiliser comme moyen de sauvetage. Je trouvais ça sensationnel, question de stabilité, question de, pour les secours. Non, pour l'instant, tant que les appareils ne sont pas ménagés, parce que je pense que pour nous, il faudrait avoir un plan dur. Bon, ça, on le trouverait facilement, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse au moins être trois par appareil, de façon qu'il y ait au moins un pilote, un secouriste et puis le blessé automatiquement. En tout cas, un sport est né avec ses sensations, et elles sont fortes. De 30 à 100 kg pour les appareils de course, pour une vitesse qui peut atteindre plus de 120 km/h. Le rôle du pilotage est essentiel, toujours en contre-dérapage et en anticipation. Il arrive parfois, mais sans dommage, que l'appareil réagisse, mais trop tard. De 7 à 77 ans, ces engins sont à la portée de tous. Il suffit d'un quart d'heure d'apprentissage, mais attention, car l'aéroglisseur est un virus. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la Fédération française des clubs d'aéroglisseurs, 12 rue Béranger, 92 100 Boulogne, téléphone 16 1 47 02 90 43.